Yo, si je trouve ça facile, c'est qu'on m'a commis d'office. Ah, ça sent du chromi, j'opprime. C'est Oli le kid, liquide, c'est pauvre type. Depuis qu'on m'a remis le titre, m'obstine. Oublie de la ville au stylo hostile. Vous, quand vous jouez à FIFA. En général, quand il y en a un qui perd, ça rage et il y en a un qui commence à essayer de quitter et l'autre essaye de lui dire non, quitte pas. Quand Oli me gagnait, je le tapais. Ouais, ça, c'est vrai. Une histoire. Et moi, des fois, je faisais exprès de perdre pour pas qu'il s'énerve. Vous êtes souvent considéré comme la relève d'Ayam. Ouais. Pression. Et c'est vrai que Ayam, c'est un groupe référence pour nous. Il est assis au fond du métro où personne ne le regarde. Silence pesant, trois mecs montent, visage menaçant. Allez, tombe la veste. Big Flo, tu dessinerais un V de victoire dans les cheveux de Oli? Non, les gars. On va faire un pierre-papier-ciseau. Si tu gagnes, tu me le fais. T'es prêt ou pas? Ok. Pierre-papier-ciseau. Yes, c'est gagné. Ils sont drogués, les gens qui préparent cette émission. C'est n'importe quoi. C'est pour quand le featuring avec Eminem? Je pense pour mon bien mental, pour jamais. Il paraît que vous êtes fan de foot. Mais on est ce qu'on appelle exactement la définition, c'est footix. Je suis fan du foot, je mets des maillots de foot, mais je peux pas te dire les joueurs qu'il y a en ce moment. Je peux pas te dire le classement. Comment on se sent quand on est les premiers Français à faire une collab avec Busta Rhymes? On n'arrive même pas à savoir pourquoi il a dit oui à nous alors qu'il a dit oui à personne d'autre. Check de Busta. Busta. Rhymes. Allez, avouez, qui a complètement fini ivre dans les loges des victoires de la musique? Les gens, ils s'imaginent que les soirées, c'est des trucs de fou. Le jour où on a gagné le Energy Music Awards, on a fini à faire des loups-garous avec Vianney. Je m'en vais. Si vous deviez choisir vivre sans musique ou vivre sans sexe? On parle jamais de cul entre frères. On est là, on fait genre, t'as une copine? Ouais. Ça se passe bien? Ouais, tranquille, ok. La partie du corps la plus improbable sur laquelle vous avez signé un autographe? Moi, dessin, ouais. Moi, j'ai signé une jambe de bois. Front. Bras, haut de fesses de mec un peu bof, ouais. En fin de festival. Hey, Big Flo, hey, les fesses! Allez, avouez, il a mérité vraiment plus que vous la victoire du meilleur album de musique urbaine, Orelsan. Je suis content de pas l'avoir eu. Les gens, ils sont avec cette catégorie, ils deviennent fous. Ah. Alors pourquoi dans les musiques urbaines? Non, mais détends-toi, c'est de la musique. Le meilleur rappeur français de tous les temps, ça serait Orel. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis? Moi, sans alcool. Un seul alcool qui me tente, c'est la manzana. Mon frère a les goûts d'une lycéenne. Défi, la boîte à questions veut vous réentendre rapper plus vite que Busta Rhymes. 1, 2, 3. Des politiques à la télé qui débattent, des vidéos débattent, des coups de poing débattent, des patates dans la tête, des bavures et des balles qui se perdent dans le bâtiment, c'est devenu banal, des petits qui gagnent pour que dalle. Et ces types tombent double compte dans la bagarre pour une histoire de paquet de cames de femmes, tout le monde veut des calmes pour te braquer, te claquer dans une cave, demander de vider les sacs pour quelques dollars. Tout le monde veut la baraquer, la belle bagnole, taper des barres au balai avec sa bande de potes, c'était pour que t'as pas de milliers de billets, t'es pas là pour le billet, t'es humilié, faut remonter la tête trop vite. Impossible, on comprend rien à ce que tu dis. Si vous étiez un instrument de musique, vous seriez. Je serais la trompette. Je me suis dit, le jour où on passe à la boîte à questions, c'est vraiment qu'on a percé. On a percé, frérot. On a tous dit assez dommage dans la boîte à questions.